Ça peut très mal virer. Oh! Je te dis, je me doute pas. Mais, je me lance. Pour ceux qui n'étaient pas là plus tôt, j'ai toujours terminé mon encart du bonheur avec mes bottes de scalpin d'il y a 20 ans, coflac et un piano. Et le transport du piano, et on a reçu 620$ pour tes bottes caflic-caflac. Caflac, effectivement, et c'est pour Opération Enfant-Soleil. Mario, c'est à ton tour maintenant. Là, il fallait que tu dises le montant, parce que tu sais que j'irai peut-être pas chercher ce montant-là avec ce que j'amène cette semaine. On sait pas c'est quoi. Cela dit, tantôt, tu nous as dit que ça s'adressait aux femmes. Exactement. Et c'est, je veux que vous sachiez que c'est un encant du bonheur qui peut peut-être m'amener une prochaine chronique de « Ça pleure un homme ». Oh! Parce que ce matin, suite à une conversation que j'ai eue avec ma blonde, il y a quelques semaines, j'ai décidé de bouger dans un dossier. Okay? Il y a plusieurs temps, ou ça fait plusieurs fois que je dis à ma femme... T'es émotif, là. Oui, je suis un peu émotif. Non, mais ça va passer, Jean-Yves Simon. Ça. Ouais. Ça fait plusieurs fois que je dis à ma blonde, chérie, je pense que t'as trop de sacoches. Okay. T'en as partout dans la maison, tu comprends? Puis depuis que je te connais, là, il y a des sacoches que je t'ai jamais vues avec. Fait que j'imagine qu'il y en a là-dedans que tu te sers peut-être plus. Peut-être. Tu sais, faire de la place dans le garde-robe, que j'ai de la place pour accrocher mes chemises. Tu sais, ça serait cool. Ben ouais. Oh, tu t'es la couvert de ton bord. Non, mais ma blonde, c'est une sacoche à alic, comme bien des filles. Elle adore les sacoches, OK? Moi, plutôt, t'es un hal. Un alcoolique, fait que c'est pour ça, on se rejoint dans le milieu. On avait toi deux le colique. Et ce matin, à son insu. Oui. C'est pour ça que je peux me mettre dans le trouble. Vrai, là, tu niaises pas. Ben, je niaise pas, je te le dis. Okay. Il y a plein de sacoches que j'ai pris que je... Oh. Elle va peut-être me tuer, là, mais regarde, je me lance, là. OK? J'ai amené plusieurs sacoches. Peux-tu enlever ton sac de sur le clavier de l'ordinateur? Oh, excuse-moi, c'est parce que... Là, j'ai ça, OK? Là, la page web va expirer. Non! Il y en a une brune de marque Aldo que je mets ici. C'est pas ton meilleur choix, celle-là. Ça, elle sera pas fâchée, celle-là, c'est OK, il y en a une ici. Avec un pompon. Ralph Lauren. Okay. En jeans. Qui est plutôt sobre. All right. C'est le bord est intéressant. Okay. Non, c'est pas une Ralph Lauren. Joannelle. Joannelle. Je sais pas pourquoi j'ai dit Ralph Lauren. Ouais, puis le J, hein, ça t'a fait penser à Ralph Jarrell. Il y en a une rose Kenneth Cole, qui est quand même très belle. Okay. Je dirais plus violacée, là. C'est pas rose, ça, Mario. C'est violette et t'es daltonien, ton œil rouge, hein. J'en ai une blanche mais ici. T'es malade, man. Ben non, mais c'est parce que t'as plus capable. On est rendu à 4, là. Écoute, j'en ai enlevé, là, ça paraissait même pas dans le garde-robe tellement. Je te le dis, il y en a partout, là. OK? Ça, tu sais que tu viens de fouler un terrain dangereux, là. C'est miné, c'est autant plus que... T'as pas le droit d'embarquer. T'oublies, tableau, on a écouté. Ben peut-être qu'elle... Non, peut-être qu'elle écoutait pas aujourd'hui, ah, là. Non? Ah, okay. Peut-être ah, qu'elle écoutait pas. Ben peut-être qu'on pourrait l'appeler aussi. Non, peut-être pas, hein. Ça, on est peut-être pas obligé, là. Mais OK, on va regarder ce qui reste, là, parce que tu nous sors OK, il y en a un autre noir ici. Mais là, c'est malade, là. Elle avait tout ça en over qu'elle a pas mis fait longtemps, là. Ouais, je te jure que ça paraissait même pas que je les avais enlevés du garde-robe tellement qu'il y en a, là. Mais écoute, oui, c'est une maladie, là. Il y en a un autre noir. Puis je vais te dire... Il y en a des belles, sérieux, là. Ben, pour moi, ils se ressemblent tous, là, c'est une sacoche. Écoute, tu m'as coupé mon inspiration, on va dire... T'sais, il y en a, incapable d'en acheter des LED aussi, mais bon... Hey, y a des... celle-là, là... Non, la brune, j'avoue qu'elle est moins belle. Un peu grano en terre cuite. As-tu fouillé dans les poches ou quoi? Elle aurait laissé quelque chose? Vite. Il y en a une belle rouge, sérieux, des belles affaires. Cette rouge-là, c'est la première que je peux dire. Et en prime pour vous, mesdames, j'ai amené une montre flambant neuve qui était d'un kit du Galartiste il y a 2 ans. Une montre Liz Claiborne. À batterie, on doit juste pour changer femme, la batterie. Non, pour femme, j'ai dit que c'était une montre pour OK, femme. Moi, je pensais tantôt que j'avais vu tes bottes, tout ça, curieux de moi. Hein. OK. Moi, tes bottes sont pas là. Non, oui, ils sont dedans. OK, t'es dans le gros. Et quand même, pour compenser, il y a des gars qui vont vouloir acheter le kit pour leur blonde, pour leur bien-aimé. Pour vous inciter, messieurs, peut-être à miser plus fort, j'ai un argument pour vous. Des bottes en peau de serpent! Des bottes en peau de serpent que je me suis fait croire à un moment donné que ça reviendrait à mode. C'est bon, parce que Mario... Ouais, c'est quasiment des bottes à Raymond. Un estifié de cette. Il y a une belle histoire sur ces bottes-là. Mario est arrivé avec ça, bien fier. Il a payé une fortune d'ailleurs, parce que c'est quand même cher, la peau de serpent. Regarde! Ouais.